Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 en multi dans le Saint-Empire romain germanique. Je suis avec Xalorian, Codan et Tiberians. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Salut. Ouais, j'enlève la pause. Donc vous, tout le monde est en paix là? Ouais, tout le monde est en paix. Tout le monde est en paix, du coup. À l'heure actuelle. Je pense que ça va pas durer. Moi, je me tâte à me faire le Palatinat en fait. Venise, Pise, Brandebourg, Bohème. Brandebourg est pas si puissant que ça, on dirait. Bohème a été quand même vachement affaibli. Non, il s'est fait casser. Flandre n'est plus un rival valide. Cologne. Qu'est-ce que j'ai de sympa en rival valide? C'est, ouais, c'est quoi tes rivaux, Xalo? J'ai rivalisé Cologne, Wurtzbourg et Palatinat. Parce qu'il est endetté, d'accord. Il va falloir attendre qu'il soit plus endetté, alors. Bon, allez. Je vais clairement me refaire des troupes. 215 du 4, okay. D'accord, on va patienter. Ah, par contre, là, une rébellion. Ce que je peux faire, par contre. Vite. Ah bah non, mais je peux passer par chez toi, c'est vrai. Putain, je suis con. C'est très pratique, finalement, qu'on soit collés l'un à l'autre. Ouais, pour ça, c'est clair. Accès militaire de Hollande, bien sûr. Oui, ah, j'apprécierais. J'ai un cardinal. Ce serait bien urbain de votre part. Bien attends, urbain. Putain, je vais encore perdre à rien là ou quoi? Mais c'est quoi ces dés de malades là? C'est des rebelles! Chut! Bienvenue dans Blaze Universalis 4. Ah ouais, non mais c'est chiant quoi, putain. Mais t'as des hommes, t'as l'impression qu'ils savent pas se battre quoi. C'est... La Lituanie. Allez, les gens, on va sur place. Oh, un général de tradition 50 apparaît comme ça, la gratos. C'est d'un chiant, putain, paradoxe. Tout le même. Ah ouais, bah du coup, voilà, la ça Provence fait combien d'emprunts maintenant? Aucun allié. 3. Super. Tyrannie nobiliaire. Ouf. Non, mais je sais pas, quoi. C'est... Enfin, putain, mais si dans la vraie vie, tous les combats étaient comme ça, personne gagnerait jamais rien, quoi. C'est... Les gens y pensera deux fois avant de déclarer des guerres. Friction aux frontières. Palatinat. Bon voilà, tout est légitimisé, c'est bien. Mauvaise nouvelle, tu vois. What? Et là je les défonce alors que je suis en défense. Régence. T'es décédé. Je comprends, je sais pas. Je suis décédé tellement vite. Ouais, c'est ce qui arrive. C'est juste chiant quoi. Oh là 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 là, puis l'accétant le mec. Je vais être bloqué pendant je sais pas combien de temps. 7 ans. C'est ça. C'est ça. Du coup, c'est chiant. Par contre, je peux avoir 0 commandant pour 3 autorisés, donc on va quand même se faire plaisir. Exiger un général, je peux faire ça? Ah ouais, non, mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Moi, 26, oh, putain. Moi, 36. C'est moi qui domine le oh, nœud. Oh putain, qu'il est. Vous êtes sérieux? Ah ouais. Putain, j'ai le général le plus moisi de l'année. C'est la France en deuxième. C'est à cause des transferts en aval. Putain. Enfin bref. C'est des choses qui arrivent. Je pense que je serais probablement mieux de collecter des revenus commerciaux ici 1%. Qu'est-ce qui se passe? Bon, la légitimité remonte hein, au final petit à petit, c'est lent mais on y arrive. Bon par contre leur guerre de religion ils voudraient pas la faire là parce que... Pff, un peu chiant quoi. Ouais c'est un petit peu casse-pied. Oh, parce que ça fausse un peu toutes les relations là en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui me haïssent parce qu'on n'est pas dans la même ligue alors que j'étais allié avec eux avant ou des trucs comme ça quoi. Et pareil sur les électeurs et leur vote. Ça serait bien que voilà que qu'on en parle plus quoi. Puis moi j'ai 4 diplomates, je sais même pas quoi en faire. Bon, révolution agricole, mais c'est bien ça. Séparatisme bohémien. Deux points. 5.
Ah, oh, Cologne contre Palatina. Diplo, je suis un peu en avance. Cologne est allié avec qui? Horde de Livonie, Bad et Ravensburg. Donc toi. C'est pas beaucoup ça comme allié. Non, c'est pas beaucoup d'alliés. On a quand même brisé toutes ces alliances-là il y a pas longtemps. Lui qui attaque en plus. Demande accès militaire de Brandenburg. Pourquoi pas. Cologne, Ravensburg, sure. Horde de Livonie. Bon, bah on y va. Hein. Alors, j'ai un ordre qui... C'est les bourgeois. Les bourgeois n'ont pas assez de trucs chez moi. Putain. Les Vénitiens qui débarquent. Bourgeois. Oh putain, on a que 30 000. Ah là, quoi. Les bourgeois sont contents. Mais d'où il a déclaré cette guerre, cette espèce de suicidaire là? Sérieux? Les mecs, ils doivent avoir à peu près 3 fois plus de troupes que nous. Je vais me retrouver encore dans une guerre qui va me couper en 3, quoi. Paradoxe. Si on arrive. Ouais, paradoxe. Ouais. Ils portent bien leur nom, hein. Paradoxe. Parfum pour homme. J'aime pas trop le ton que tu emploies, Caudron, c'est très bizarre. Ouais, paradoxe. J'avoue que c'est limite. Ooh, you touch my paradox. My tralala. Nous, dans les studios paradoxe, on s'amuse. Oh là là, il y a 50 000 hommes au sud. Et vous savez où est-ce qu'ils viennent? Ils vont pas sur le leader de la guerre, non. Parce qu'il y a un joueur dans le tas, donc forcément, faut envoyer les armées là où il y a le joueur. Donc c'est moi qui me fais assiéger. J'ai 40 000 hommes sur ma province. 33 000 hommes. Et d'où ça sort, quoi? Pourquoi ils s'acharnent sur moi, les mecs? Parce que paradoxe. Ah. Le colonne paradoxe. Donc je vais encore me faire sortir. Oh putain, c'est n'importe quoi. C'est n'importe ce jeu. Non mais sérieux, ce patch, c'est nawak, hein. Mais vraiment, le fist. Sur plein d'aspects, c'est n'importe quoi ce patch. Hein. J'aimerais grandement une guerre France-Angleterre, ce serait super. Ouais, mais c'est paradoxe, vous avez une patch, une expansion sur deux, ils vont briser le jeu. Donc ouais, c'est ça, ouais. c'est un paradoxe. Non mais, le jeu, on peut pas leur reprocher d'essayer, c'est juste que parfois ils n'y arrivent pas. Quoi. C'est juste que parfois ils essayent trop, ils en mettent trop. Là ils y sont vraiment pas jeu, quoi. Et clairement codé avec le cul, sans mauvais jeu de mots. Ah, parfois. C'est... Ouais, mais l'interface est super belle, quoi. Écoute. Bah, moi, mon interface, elle est rouge, parce que je trouve le bleu, ça fait trop trop palissard. Enfin, ça fait trop palo, je ne sais pas. Parce que t'aimes la couleur jaune, hein, Codan. Parce que le rouge, c'est sensuel. Vous dérivez, les gens. un point, juste un petit peu. Allez, on va se refaire une flotte, oui. Enfin. Allez, Ravensburg s'est fait sortir. Moi, j'ai perdu un siège. Superbe. Magnifique. Qui c'est qui m'a collé des alliés aussi débiles, quoi? Le mec... Bon, alors, voyons voir. Je suis surendetté. J'ai que 10 000 hommes sur le maximum disponible. Les mecs en face, si combinés, ils ont à peu près 70 000 hommes. Est-ce qu'on déclare la guerre? Et là, t'as le conseiller militaire qui sur fait... le bad. Oui, il y a le bad. Il y a le bad avec nous, c'est bon. Ils ont 16 000 hommes, vous vous rendez pas compte, quoi. C'est 16 000 hommes, mais ces types-là, c'est des immaculés, quoi. C'est, les types, c'est des monstres. Sur le champ de bataille, mais c'est même pas la peine. Les Vénitiens, ils vont partir en courant. Mais c'est rien, le film 300 versus le film 16 000. Voilà, ouais, c'est ça. Vois, c'est exactement ça. C'est 300, en fait, c'est inspiré des armées de Bad, quoi. Tu vois. Oui. C'est une fraction des armées de Bad, ouais. L'armée de Bad, c'est seulement des hommes de 300. Voilà. C'est ça. Les divisions de 2000 hommes, pff, rien à foutre. Les divisions de 300. C'est vrai que, mis à part ça, c'est un peu chiant, ces histoires de ligue, parce que, enfin, on patauge, là. Je veux dire, il n'y a plus de diplomatie, il n'y a rien. Mais c'est... On aurait dû... Suède, faites quoi? Non, mais ça va pas durer. Au bout d'un moment, il y aura le concile de je sais plus quoi, et du coup, comment? Ça se clôturera par une égalité et tout le monde pourra accéder à l'électorat et au trône. Ça se clôturera par la paix. Ça serait triste quand même. Enfin, en vrai, il y a quand même eu la guerre de 30 ans. C'était... Oui, oui, ouais, non, ouais. Effectivement. Par contre, bien tout le monde qui s'allie à la Russie, c'est le fun, ça. Il y
Mais ce serait bien qu'on triche. Ah, j'ai enfin mon mec qui est mort. Et du coup, maintenant. Et j'ai pas. Vraiment fan mais pourquoi il a une légitimité faible voilà. Ah, mais non, c'est mon héritier qui. Ouais, oh putain, mon héritier qui est mort, quoi. France, qui avait une France Ottoman. Forte. Je déteste ce jeu, quoi. Pax, sérieux. Pologne, Venise. Il bon, n'y a aucune chance que la Ligue voilà. catholique elle gagne. Donc là, je vais me faire sortir. Mais il y a Russie dans la Ligue catholique, par contre. Oui, bah oui, enfin c'est grand quoi. Enfin c'est plus grand que efficace quoi. Bah c'est ouais, 94 troupes, c'est quand même pas rien, 94 000. Mais oui, 14 puis, puis Ottoman qui est collé à la Russie. Ouais, il y a ça par contre, c'est sûr. L'Ottoman qui est collé à la Russie. Seulement Techno 13, Ottoman par contre, seulement Techno 13. Ah, quasiment, ouais. Ouais, nous on est Techno quoi, nous. Techno 15, hein, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il est en retard là. Ouais, ouais. Des techno assez importantes. Moi aussi je suis en retard d'ailleurs. Mais bon. Ah ouais, l'occupation de Bad elle fait mal quand même. Hein. Ma capitale vaut beaucoup de scores de guerre, je pense que je dois en être fier. Ou pas. Je sais pas pourquoi ils m'offrent pas la paix par contre. Oh, par contre, ah les, putain, ils ont déjà repris colonies, la capitale. C'est long, long de chez long à faire. Fou. Plaît-il les bourgeois encore? Ça faisait longtemps. Non, non, mais les nobles encore, ils vont nous faire. C'est incroyable ça. Putain, mais comment que c'est monté aussi rapidement quoi? Puis moi, je vais bientôt être en guerre civile. Hein. Parce que la légitimité, bah, elle monte, mais à son rythme quoi. Enfin, je sais pas ce qu'ils espéraient les mecs là-bas, mais. Pas grand chose. Suffit pas de claquer dans le champ. Hein. Avec tous mes bah diplomates, je vais m'éclater, moi, je vous le dis. Hein. Fin de la trêve, malheureusement. Xalo ouais. Je peux pas déclarer de guerre, je compte sur toi. T'as pas envie de déclarer une guerre de 15 prestige et Nob gagne 5 en loyauté. Putain, allez, merde, ça, les personnes ont perdu. Yes. Tu veux pas attaquer quelque chose diplomatique contre Monster. Ben, nos trêves sont terminées contre. Juste moi, vérifie, je fais un petit check-up. Bon, c'est bon, c'est tu vas, bah, Cologne, je pense que je vais rester collé à toi parce que. C'est la mort instantanée. Ah, mais d'accord. Ah, Magdebourg. Ouais, pas de problème, Magdebourg, on se tape au un prétendant, pas... génial. Mais pourquoi Autriche. Pourquoi? J'avais un super héritier, légitimité forte et tout. Et en deux putains de lancers de dés de merde. À la con, je me retrouve avec des prétendants et voilà, j'ai plus l'Alsace. Hein? Oh là là, mais sérieux. Non, mais ça Alsace. Me saoule, quoi. Ah oui. Oh, vive le patch. Pour vrai. Il arrive quand, d'ailleurs, le patch, là, parce que... En janvier. Ouais, avant fin janvier, ils ont janvier. Dit. Ouais, bah, j'ai atteint. Bon, ça nous dit pas qu'est-ce qu'on attaque du coup. Ben, je vérifie encore. Tu n'as pas d'idée? Ben, alors, moi, c'est que. Soit la guerre si j'ai tous mes voisins, sans exception, l'Autriche rejoint ou j'ai une trêve encore. Gueldre? Une trêve. Non, Gueldre, ce serait la mort totale. Gueldre, ouais. Ouais, tu touches pas Gueldre. Faudrait écraser Munster avant. Est-ce que France et Pologne me rejoignent présentement? Et Suède? Pour faire, quoi, ouais. Pour faire la guerre à quoi? N'importe quoi. Parce que j'ai assez de points de faveur. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on pourrait déclarer la guerre à Autriche? Bah écoute, Lituanie, Espagne... État Pontifico, Savoie, Ansbach, Ravensbourg, toi, moi, Pologne. Ouais, non, je déclare ça déclare la guerre de la Ligue, sauf sans l'Ottoman, en gros. Ah ouais, ouais, non, c'est ouais, une idée de merde. Je crois exploser complètement de Brandebourg, mais mon problème, c'est que présentement, j'ai trop. Il y a peu de trucs que je peux faire. Il faudrait que je déclare une guerre contre un rival. Pour augmenter un peu ma projection de puissance, mais c'est tout ce que je peux en gagner parce que je peux peut-être prendre une province.
Ouais, je comprends. Bah, de toute façon, c'est ce que je fais à chaque fois. Moi aussi, hein, je prends province par province. Une fois, j'ai pris deux provinces. Ça s'est mal mis. Ah bah là, je viens d'en prendre deux. Ça s'est bien mis, mais c'est tout ce que j'ai fait. Je dois faire voter déjà pour moi. Mecklenburg. Munster. Mais y'a pas quelqu'un qui pourrait déclarer une guerre qui n'est pas dans le HRE? Bah, l'an prochain, tu peux éclater Munster, non? Déjà en 96? Ouais, je peux terminer Munster. Ouais. Je vais faire une revendique. Toujours ça de fait. Le casubellu que j'ai, c'est insulte diplomatique. Le Palatinat vient de doubler de volume. Le Palatinat. Ouais. Donc, je vais me faire une revendique pour le Munster, là. Bah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a pris quoi? Tout. Ah, mais moi j'ai complètement zappé. Expansion invasive, moins 36, territoire illégal, moins 47. Voilà. Il va avoir des problèmes. Bah, j'espère, ouais, parce que là. C'est complètement impossible, non? Un CPU qui se tape une coalition, en gros. Genre. Ça n'arrive plus. Je l'ai pas vu depuis le patch. Oui, ouais, c'est vrai qu'effectivement ils arrivent à bien le gérer, quoi. Plus 1, plus 1. Ouais, il calcule le truc. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Bon, bah, voilà, c'est du nouveau monde, hein, tant pis, on va la prendre, hein, même si c'est pourri. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux tenter un tour du monde? Bah, si t'as le portugais, affaire, ça ouais. Fait plaisir. Ouais, enfin. Moi, j'ai tenté les tours du monde, ça s'est jamais bien passé. Même avec le Japon, j'ai jamais réussi au final. C'est assez impressionnant ce que ce dont dispose le Portugal en bas de la map. Ouais, c'est vrai. Tiens, Tunis également à Blobé. C'est vrai que le monde aléatoire comme ça, c'est marrant quand même. Hein. Ah. Mais c'est facile. Particulier. On s'y attend pas. Espagnol Texo là. Elle est puissante quand même, l'Espagne. Ça fait beaucoup de vide par contre à certains endroits, c'est dommage. T'as, j'ai un conseil de régence absolument calamiteux en plus. Rien de moins que calamiteux. Non mais je vais faire une foutue infanterie, qu'est-ce qui se passe jeu? Ah, ça a freezé, d'accord, j'en ai fait deux. Ok. Oh bah tiens, on est en retard en technologie militaire maintenant. Ouais, j'ai pris une doctrine. Je suis très en retard. Ça m'a coûté un petit peu cher. Puis mon conseil de régence est tout moisi. Ah putain, c'est un 0-2-3 le conseil de régence, j'avais pas vu qu'il y avait un 0 dans la liste. Putain, pathétique quoi. Hey! Et moi j'ai un truc qui doit merder dans mes relations, ou c'est un bug, je sais pas, parce que... Parce que quoi? Bah je sais pas, à chaque fois je fais des alliances avec des pays, puis ils les rompent après je peux les refaire, puis ils les rompent, puis je peux la refaire. J'ai eu des problèmes similaires aussi avec la France. Il se passe des choses bizarres. Bah, c'est bizarre, hein, je sais pas. Incompréhensible. Du coup j'essaie de faire du commerce, ou bien littéralement de faire une flotte de guerre. Ah, une flotte de guerre. Une flotte de guerre. Ouais. J'ai 7.82 du cas par mois. Oh. Donc, je peux quand même me permettre d'avoir une flotte correcte. Ah, mais c'est clair. Mais le Palatinat va se faire ouvrir par l'Autriche. Ça fait plaisir. Ouais, mais le souci, c'est que l'Autriche, elle arrête pas de blober. Plus ça vient, ça va être difficile au bout d'un moment. Ah, bah pour vous, les protestants, oui. Mais ça va être difficile pour vous de faire quoi que ce soit dans HRE aussi, pour le coup. Mais nous sommes... Enfin, moi, je suis pas fidèle de l'Empereur, mais nous le soutenons en basse main. De basse main, ouais. Entre frères chrétiens. Basse main, c'est vous ça qu'il soutenez, disait. Vous soutenez la main basse. Petite vite, là. Ouais. Donc, le problème, c'est... Ah, putain, c'est chiant. Bon, Brunswick. Dans 3 mois, on peut attaquer... Munster. Ouais. Enfin, t'as pas besoin de moi, techniquement, mais... Ouais, mais ça dépend de ses alliances et tout, on peut voir. Mais il y en a pas, en fait. Puissance d'émissionnaire, plus 2%. Il a pas d'alliance, le mec, il est tout seul. Non, c'est fatigué.
C'est dommage un peu alors. Actuelle. Palatina, ouais, mais Brandebourg également est en guerre du coup. Hein. Ouais. Ça par contre, ça peut être une bonne opération. Brandebourg est relié à Hospitalie, Lorraine, Palatina et Saxe. C'est l'heure. Oh. Eh bien, c'est à moi. C'est à toi, Jayce. Ouais. Bon, mais voilà, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Europa Universalis 4. On espère que ça vous a fait bien fait marrer. On vous souhaite une excellente journée. On vous dit à très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye. Salut.